Mesdames et messieurs, bonsoir, Vidobanais, Vidobanaises. Monsieur le maire de Vidoban. Vidoban, votre ville, comme vous dites, que vous aimez. Mais dans votre ville, c'est devenu un dortoir. Une chose importante, le manque de médecins. Je pense que tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour trouver des médecins, vous allez vous confronter à un mur. Parce qu'aujourd'hui, à la sortie des facultés, il n'y a pratiquement plus de jeunes médecins. Ils ne veulent plus faire médecine générale. Parce qu'ils veulent gagner plus. C'est-à-dire qu'ils veulent être en honoraire libre. Voilà. Donc je pense que l'avenir va être de voir avec la Croix-Rouge ou autre et de mettre en place des dispensaires médicaux de la Croix-Rouge. Ils ont des médecins à la Croix-Rouge qui viennent de différents endroits, de médecins du monde et autres. Je pense que ça serait une solution. Il faudrait voir avec la Croix-Rouge. C'est la seule issue en attendant que peut-être la jeunesse qui veut faire la médecine générale obtienne ce qu'ils veulent, mais au désavantage de la population qui devra payer beaucoup plus cher. Voilà, monsieur le maire. C'est juste une petite remarque. Ce n'était pas un ordre, c'est juste une idée comme ça. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et un bon début de semaine, monsieur le maire.